Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, puisque c'est une vidéo débat où nous allons, enfin je vais parler un petit peu place à la méta, où je vais parler justement un petit peu de la place des auto-attaqueurs dans la méta actuelle. Et pour moi c'est un gros problème, la place justement des carry auto-attaques dans la méta compétitive, dans la méta professionnelle. Alors, je ne parle pas de la méta solo queue, etc. Parce que les auto-attaqueurs, on y reviendra après. J'y reviendrai, je dirais justement que la grande différence entre les auto-attaqueurs et la difficulté d'équilibrage pour Blizzard, on essaiera de voir un petit peu tous les aspects. Bien sûr, je vais commencer par rappeler ce qui est un carry auto-attaque. Alors, carry auto-attaque qui porte le nom de chasseur, si je ne m'abuse, sur Smite, le nom de carry AD sur League of Legends, et sur Dota, j'avoue que je ne sais pas le nom, mais en tout cas, le principe c'est quoi? Ce sont des DPS, donc des assassins qui infligent beaucoup de dégâts continuellement, principalement par leurs auto-attaques. Donc les auto-attaques, c'est vos clics droits, tout simplement. Les assassins clics droits, comme on aime bien les appeler, avec beaucoup d'amour. Donc les carry auto-attaques, je vous ai mis bien entendu Vala, qui représente excellemment bien les carry auto-attaques, puisque, eh bien, elle doit, même quel que soit le build, hein, que vous soyez Q-spell, auto-attaque ou multi-shot, le principe c'est surtout d'auto-attaque avec un clic droit, hein, et de faire du coup du hit and run, etc. Donc, bien entendu, trois petits points, je vais rappeler dans un premier temps ce que sont les auto-attaqueurs, je vais rappeler quels sont les auto-attaqueurs qui sont dans Heroes of the Storm, et ensuite on fera un débat sur vraiment la place des auto-attaqueurs, la difficulté pour les auto-attaqueurs de sortir, etc. Donc on va se faire un petit rappel. Pour commencer, les auto-attaqueurs, contrairement à des mages par exemple, ce qui différencie, alors j'avais fait des vidéos sur les rôles et du coup sur les assassins, on en avait déjà parlé un petit peu, hein, des auto-attaqueurs par rapport à des mages, donc je vais laisser la voir si vous ne l'avez pas vu encore. Mais la grande différence des auto-attaqueurs, ce qui les différencie des autres assassins, distance, hein, je parle des assassins de distance bien sûr, c'est la manière de faire des dégâts. Et justement, contrairement à un mage qui va lui envoyer toutes ses compétences, avec, en gros, quand il a lancé toutes ses compétences, il est un petit peu vide, il a plus grand chose. Un auto-attaqueur, lui, il a des dégâts fixes. Donc, si vous imaginez une courbe de dégâts d'un assassin auto-attaqueur, en fait, la courbe, elle est assez linéaire. Puisque, en fait, quel que soit le moment du teamfight, lui, il va continuer à taper. Et du coup, continuer à faire des dégâts. Là où un mage, bah, sa courbe, ça va être énorme burst, énormément de dégâts. On a lancé tous nos sorts et ensuite, oups, ça retombe, on n'a plus rien. Donc, c'est pour ça, très souvent, de manière générale, qu'on a un mage et un auto-attaqueur pour justement, eh bien, le moment où le mage a épuisé tout son burst, l'auto-attaqueur prend le relais et tape et tape et tape et tape et tape. Ensuite, eh bien, le mage a récupéré ses CD, il peut rebalancer, etc. La grande force des auto-attaqueurs, c'est que très souvent, ce sont les anti-tanks par excellence. C'est eux qui ont pour rôle, ils peuvent pas forcément, contrairement à un mage par exemple, qui peut sniper un assassin distance derrière les lignes ennemies, l'assassin auto-attaque, lui, bah, il peut pas forcément taper. Donc comme il doit tout le temps taper, il peut pas forcément taper, donc, comme je disais, les cibles fragiles, donc il doit taper ce qu'il y a devant lui. Donc très souvent, ça va être les tanks, et en plus de ça, et encore une fois, hein, ce que je dis, ça marche pour Heroes comme pour les autres jeux. L'idée, c'est que justement, eh bien, un carry auto-attaque, on va lui donner, on va lui conférer des bonus anti-tank, des dégâts en pourcentage PV max, une troisième auto qui fait plus mal, etc. Donc, pour que justement vous puissiez plus facilement tuer les tanks. Ça veut pas dire que ce sont des tueurs que de tanks, bien entendu, mais ils font des gros dégâts aux tanks et très souvent, bah, justement, on prend des auto-attaqueurs pour affaiblir les tanks. À côté de ça, un assassin auto-attaque, l'une de ses grandes spécificités aussi, c'est qu'ils sont fragiles. Après, c'est le principe d'un assassin, mais par exemple, les assassins mêlés, eux, sont plus tanky. Les assassins distance, que ce soit des mages ou des auto-attaqueurs, sont plus fragiles. Mais limite, un mage, les mages peuvent être plus tanky que des assassins auto-attaque. Parce que, enfin, là-dessus, ça dépend un petit peu, mais les assassins auto-attaque, le principe, c'est justement qu'ils vont pouvoir balancer plein d'auto et être protégés par leur équipe, et c'est ce qui va amener le côté hyper carry. C'est-à-dire qu'on est sur un carry, mais s'il est bien protégé avec par exemple un double support ou il commence ou sur un autre MOBA, il va avoir énormément de thunes, eh bien il va se transformer de carry, de simple carry, donc de damage dealer, comme on appelle ça, donc quelqu'un qui inflige des dégâts, il va passer de simple damage dealer à un simple carry, à un hyper carry, où il va faire tellement de dégâts, eh bien, que bah, en un seul teamfight, il peut tuer toute l'équipe. Et là-dessus, on va arriver sur un autre point, c'est justement, il doit pouvoir DPS continuellement. On a vu que la courbe de dégâts d'un assassin auto-attaque, elle doit être linéaire, donc il doit pouvoir toujours taper. Et le principe, et c'est pour ça que le premier, deuxième point et troisième point vont fortement ensemble, de toute façon tous les points vont aller ensemble, vous verrez, mais il doit avoir des dégâts fixes, donc dans son kit, je parle vraiment du kit du perso, il doit être apte à
compte DPS continuellement. Quand je dis DPS continuellement, ça va être tout simplement, bien entendu, des outils de mobilité, de portée ou de contrôle. C'est-à-dire que soit, et ça vous le voyez par exemple sur League of Legends aussi, hein, des carry AD qui vont avoir énormément de mobilité. Donc généralement les auto-attaqueurs, dans leur kit, ils ont toujours de la mobilité, un dash, un gap closer, quelque chose qui leur permettra de tout de suite bouger, d'être très réactif, ce qui donne un gameplay très nerveux aux auto-attaqueurs. Et par exemple, Vala, ça va être sa move speed de base, en tapant, elle augmente sa vitesse de déplacement, et son E qui lui permet de se repositionner, ce qui permet d'esquiver des sorts, etc. À côté de ça, Vala est très fragile, par exemple. Et sinon, il y a d'autres, parce que bien sûr, il faut aussi que les personnages aient des kits différents. Si on devait toujours avoir le même perso, ce serait chiant. Mais on peut avoir à peu près le même kit tout en ayant des points de différence. Par exemple, sur League of Legends, eh bien, Ezreal va avoir un flash intégré dans son kit pour pouvoir se téléporter. Là où, par exemple, une Miss Fortune va avoir beaucoup plus de la vitesse de déplacement et une grande portée, etc., etc. On a la Kalista qui va avoir des dashs, mais en attaquant, etc. Mais le principe, c'est toujours un outil de mobilité au minimum pour un auto-attaquant. On verra que sur Heroes, c'est pas forcément toujours le cas. Mais pour justement, donc, soit des personnages très très mobiles, je pense à Vayne par exemple sur League of Legends, ou bah, Vala sur Heroes of the Storm qui va être très très mobile, à ce moment-là, elle est très fragile. Mais certains autres persos vont avoir beaucoup plus de portée. Par exemple, sur Heroes of the Storm, un Rainer, un James Rainer, et sur du League of Legends, on va penser à Jhin, etc., ou à Caitlyn, Caitlyn a un dash en plus. Mais voilà, des auto-attaqueurs. Et sur Smite, globalement, tous les personnages, de toute façon, tous les auto-attaqueurs ont énormément de mobilité, mais sinon, ils ont plus de portée que les autres, et le principe, c'est justement ça. Ils compensent leur faible mobilité par une énorme portée. Ça c'est quelque chose d'important. Et si jamais vous n'avez pas beaucoup de mobilité et pas de portée, votre aptitude à DPS continuellement va être donnée grâce au contrôle, au kit de contrôle. Et par exemple, eh bien, ça va être des routes, des slows, généralement, ça marche très très bien justement pour calmer l'offensive adverse et continuer le kiting. Dans le DPS continuellement, le kite est très important, c'est l'idée de taper sans se faire toucher, donc vous faites du hit and run tout simplement et vous gardez à distance le tank ou l'assassin mêlé qui veut vous attraper. C'est le principe. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable pour un auto-attaqueur. Alors ça, c'est un point qui sur Heroes of the Storm va être le seul axe où c'est vraiment différent des autres MOBA, puisque sur les autres MOBA, un auto-attaqueur, c'est un farmer. C'est un farmer late game, donc c'est quelqu'un qui va tuer les sbires pour récupérer des sous-sous et monter progressivement au fil de la partie. Et à la fin, eh bien, il a énormément de stuff, il fait énormément de dégâts. Un auto-attaqueur, donc un carry AD par exemple sur LoL ou un chasseur sur Smite, en late game, le machin, il two-shot un carry fragile. Donc il fait très 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 mal en late game. Sur Heroes of the Storm, il y a ce principe-là avec certains auto-attaqueurs. Par exemple, on pense à Rainer, à du Zul'jin, etc., qui continuellement augmentent leurs dégâts d'auto-attaque, ce qui fait qu'en late game, bah, vous allez faire très mal. Après, ce ne sont pas forcément des dépusheurs, et c'est bien que ce ne soient pas des dépusheurs. C'est-à-dire que d'ailleurs sur League of Legends c'est aussi vrai, hein, et sur Smite aussi, les mages ont beaucoup plus ce rôle de dépush parce qu'ils vont lancer leur sort et boum, la vague de sbires instantanément elle va se détruire. Le principe c'est juste que les auto-attaqueurs, il y a toujours le côté il faut que je continue à farmer pour augmenter mes dégâts. Sur Heroes, comme je disais, c'est également présent avec les tireurs d'élite vétérans, etc., etc. Certains personnages en sont dépourvus, je pense à Vala par exemple. Vala n'a pas besoin de farmer pour augmenter ses dégâts d'auto-attaque, mais au final elle doit le faire grâce à ses mécaniques de haine. Elle doit continuellement taper un adversaire pour augmenter ses propres dégâts d'auto-attaque jusqu'à un maximum de 80%. Donc ça c'est toujours intéressant à ce niveau là. Ensuite, il y a aussi cette faculté de 1v1. Le carry auto-attaque, très souvent, il va être apte à pouvoir justement DPS. Et d'ailleurs, j'ai oublié sur le point, un point important aussi dans l'aptitude à DPS continuellement, j'ai mis mobilité, portée, contrôle, mais également la sustain. Certains auto-attaqueurs peuvent être basés sur le vol de vie, avec énormément de lifesteal, énormément de vol de vie, pour pouvoir justement compenser le fait qu'ils soient fragiles et pouvoir continuer à DPS. J'y ai pensé, bien entendu, avec cette capacité de 1v1. Les auto-attaqueurs, les auto-attaqueurs vont rarement être dans une situation de 1v1, puisqu'on va souvent leur mettre un support à côté d'eux, etc., pour qu'ils puissent justement être protégés. Mais malgré tout, les auto-attaqueurs font partie des meilleurs 1v1, des meilleurs duellistes du jeu, parce qu'ils ont cette portée d'auto-attaque, et justement, ils ont généralement un kit qui leur permet de 1v1 facilement. Maintenant, très souvent, on va plutôt les mettre dans le groupe, donc c'est pour ça que le 1v1 est plutôt relatif. Et encore une fois, donc, Le cinquième point qui revient un petit peu avec le farmer late game, bien entendu, c'est que normalement,
le late game, c'est un point qui est super important chez les carry auto-attaque. Parce que quand vous arrivez en late game, les auto-attaqueurs, en fait, l'early est beaucoup plus. L'early mid game est généralement dans les MOBA beaucoup plus axé pour les mages. Et le late game, même si les mages vont faire très mal, bien sûr, c'est vraiment le moment pour les auto-attaqueurs. Bon, regardez juste sur Smite. Sur Smite, c'est assez n'importe quoi. Un carry en late game, un carry auto-attaque en late game, il fait très très mal. Sur Heroes, c'est également vrai. Un Zul'jin en late game fait très mal, Raynor fait très mal. Le problème, et on va commencer à faire notre transition justement, c'est que le souci du late game sur Heroes, c'est que le jeu va beaucoup plus vite. On ne va pas forcément sur du late game. Le late game commence dès le niveau 16. Et malheureusement, bah, les auto-attaqueurs, pour eux, parfois dans Heroes, c'est beaucoup trop tardif. Alors, justement, on va rappeler un petit peu quels sont les auto-attaqueurs. Bien entendu, du moment, j'avais mis Vala. Mais on va reparler. Bien sûr, c'est un débat sur la méta actuelle, donc je vais trier un petit peu les carry en fonction de la tier list, on va dire, en fonction des indices de force du moment. Donc le trio de tête des auto-attaqueurs, sachant que si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a bien entendu un problème dans le rôle des auto-attaqueurs, et vous le voyez même, les derniers persos pour avoir le 100% de personnages Heroes of the Storm qui ont été sortis, dans les 5-6 derniers persos qui n'avaient pas été sortis, il y avait au moins 3 auto-attaqueurs, ce qui était quand même énorme, notamment Raynor et Zul'jin. Et le souci, c'est justement que les auto-attaqueurs, ils ont du mal à arriver sur leur pic de puissance. Et on verra que justement il y a eu certains reworks, et j'espère que d'autres arriveront pour justement compenser cela, parce que c'est un gros problème. Et ces points qu'on a jaugés en haut, on verra que sur Heroes, c'est pour ça que je parlais beaucoup des autres MOBA, à tel point que je suis sûr qu'il y en a qui vont dire mais c'est une vidéo sur Heroes. Mais oui, mais le truc, c'est justement, il faut parler des autres MOBA, parce que sur Heroes, même si bien sûr c'est normal que les jeux soient différents, l'auto-attaqueur est identique, le rôle d'auto-attaqueur est identique sur tous les MOBA. Donc c'est vraiment important de voir un peu ce qui se fait ailleurs pour comprendre les problèmes sur Heroes. Du coup, l'auto-attaqueur qui a pendant un bon bout de temps dominé la méta, et résultat, la place des auto-attaqueurs, on a vu juste un trio gagnant avec rien d'autre qui sort. Nous avons Hanzo. Hanzo qui a un petit peu révolutionné. Hanzo qui est revenu de loin. Hein. Je rappelle que sur le PTR, Hanzo était très très faible et il avait pris énormément de up. À tel point qu'il a fallu faire un petit peu machine arrière dernièrement. Mais Hanzo, quelle est sa grande force? Hanzo est très très. Il a un peu tout en fait, Hanzo. C'est-à-dire que Hanzo, il est capable en PVP de faire très mal. Il a un ultime qui va à la fois offrir du contrôle tout en ayant une portée globale. Ça, c'est ce que beaucoup d'auto-attaqueurs sur League of Legends, par exemple, vont avoir. Et en plus de ça, Hanzo, il va pouvoir farmer très facilement, notamment avec son niveau 4 qui permet de nettoyer les vagues de sbires très rapidement. Et avec 100 000 flèches, il peut faire des camps très rapidement. Donc, il a cette capacité de dépush que les mages, normalement, sont censés avoir. Il a une portée absolument infâme, hein. Je rappelle que Raynor dans son passif, c'est marqué qu'il a plus de portée que tous les autres héros, et au final Hanzo avait plus de portée que Raynor. Est-ce que c'est normal? Hanzo a du coup eu un nerf sur la portée, mais conserve toujours une très grosse portée, et en mobilité certes, il est dépourvu de mobilité, sauf avec son saut de mur, qui est un passif, mais qui nécessite quand même, il y a une condition sur sa mobilité, il faut qu'il y ait un mur pas loin. Après, ils ont tellement up le truc que tu pouvais sauter à des kilomètres du mur, ça a été un peu nerf, mais du coup c'est vrai que Hanzo a cette capacité d'être bon dès le début de la partie. Il a du burst, mine de rien, pour un auto-attaqueur, il a beaucoup de burst, que vous soyez en 1000 flèches ou en Q-spell, vous avez du burst, vous pouvez surprendre un adversaire. Alors attention, hein, on ne dit pas que les auto-attaqueurs ne doivent pas avoir de burst. Bien entendu, on imagine que sur une courbe, encore une fois, c'est de la théorie, donc une courbe comme ça de dégâts, ce serait pas fou, parce que l'auto-attaqueur serait très peu compétitif, serait très peu intéressant. Donc bien entendu, dans les kits, que ce soit dans les kits de base, dans les talents, etc., un personnage, on lui confère toujours un petit peu de burst, et il a des capacités exprès aussi pour pouvoir mettre un peu de burst, pour que cette courbe fasse un peu de dégâts, et ensuite on continue de manière linéaire. Mais les auto-attaqueurs ils peuvent avoir du burst, bien entendu, mais c'est rien à côté d'un burst d'un mage, et c'est tout à fait normal. Parce que sinon, il n'y aurait pas de mage, il n'y aurait que des auto-attaqueurs. Et les auto-attaqueurs, du coup, eh bien, comme Hanzo, ont plus de burst que les autres auto-attaqueurs, a de la portée, donc joue de manière assez safe. Il a quand même un passif pour pouvoir s'échapper en cas de problème. Il a un ultime qui permet d'engage de très très loin. En gros, il a de tout. Il a vraiment de tout, ce perso. Donc c'est vrai qu'il a dominé pendant beaucoup de temps le rôle d'auto-attaqueur. Et il a fallu qu'un deuxième autre personnage arrive. Et il ne s'est pas autant imposé que ce que je pouvais penser. Mais c'est Phoenix. Phoenix qui lui aussi a eu pour moi le kit. En fait, peut-être un petit peu fort, mais Phoenix a eu
a pour moi le kit que tous les auto-attaqueurs devraient avoir. Bien entendu, encore une fois, il faudrait changer un petit peu la manière de faire, mais Phoenix, il a cette capacité d'auto-attaque de très loin, il a cette capacité de dépush avec des attaques de zone, il a cette capacité de mobilité, de téléportation, etc. Il reste très fragile parce que même si beaucoup de gens se sont pas adaptés à ce gameplay avec le bouclier, Phoenix a toujours été très fragile et vous pouviez, en plus, il y avait cette mécanique de cancel de la téléportation, ce qui fait que c'est assez playmaker, il faut le faire au bon moment et vous pouvez vous faire bloquer. Donc, et là, cette grosse hitbox aussi, donc ce qui fait qu'il prend facilement des contrôles et des dégâts. Donc, Phoenix est vraiment l'incarnation, le carry auto-attaque 2.0, celui qui, justement, a tout ce que doit avoir un auto-attaqueur dans son kit. Après, la petite différence, c'est qu'à la limite, Phoenix n'a pas forcément un late game de gros cochon, mais il compense ça par quand même une courbe de dégâts quand même toujours très intéressante. Donc, Phoenix, pour moi, représente ce que chaque auto-attaqueur sur le jeu devrait posséder dans son kit. Sans forcément copier les kits, encore une fois, je vous vois déjà arriver, je le vois gros comme un camion, que certains vont me dire « Oui, mais si tout le monde a le même kit !» Sur League of Legends, quasiment tous les carry AD ont le même kit. Ça veut pas dire que ce sont des clones l'un de l'autre. Il faut juste qu'il y ait de la mobilité. Mais la mobilité, elle peut prendre plein de formes. Ça peut être de la vitesse de déplacement, ça peut être des dashs, ça peut être des flashs, ça peut être des gap closer, ça peut être des contrôles, ça peut être de la portée supérieure. Enfin, il faut plus de choses, il faut plus d'outils sur les auto-attaqueurs. Ensuite, le troisième, bien sûr, qui conclut ce top 3 auto-attaque, c'est bien entendu Greymane. Greymane, qui, je crois que c'est Ulyr sur Smite, qui a un kit un petit peu similaire, c'est-à-dire que c'est un auto-attaqueur très flexible de base. Encore une fois, comme Hanzo et Phoenix, il a des bons dégâts anti-tank, il a des bons dégâts fixes, il possède également du burst s'il y a besoin. Il reste fragile, mais c'est l'un des plus tanky, c'est l'un des carry auto-attaques les plus tanky du jeu. Il a cette aptitude à DPS continuellement, sans problème. Cette capacité de farmer, que ce soit les vagues de sbires, mais également les camps de mercenaires. Et en plus, en siège, bah, il possède l'un des meilleurs. Parce que je n'ai pas trop parlé du siège, parce que bon, sur les autres MOBA, ça on s'en fout. Sur Heroes, c'est un peu plus important. Mais il a cette capacité de pouvoir justement faire très très mal au bâtiment en passant en forme de Worgen. Donc il a cette capacité de gros dueliste, il a cette capacité de burst, il a cette capacité de DPS continue. Enfin, c'est vrai que Greymane a un kit très très fort. En plus, il est super intéressant à jouer. Donc forcément, les pros ont tendance à préférer un perso intéressant à jouer qu'un personnage fade. Donc il a tout, Greymane a tout. Donc forcément, pendant très 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 longtemps, Greymane a été le top numéro 1 des auto-attaqueurs. Et avec le nerf d'Anzo et Phoenix, ça c'est un petit pari personnel, je pense que Greymane va reprendre sa place, la place de roi qui lui est due. Donc voilà le top 3 des auto-attaqueurs qui ont un kit très complet, un kit plutôt réussi. Et encore, j'avais des petits débats par exemple avec Nasty qui considère que son arbre de talent, il est un peu bizarre. Il est pas forcément... Par exemple, Greymane, il a une portée d'auto-attaque améliorée dès le niveau 7, alors que c'est un truc que beaucoup d'auto-attaqueurs normalement sont censés avoir, obtiennent au niveau 20. Il a un bonus de vitesse d'attaque au niveau 16, alors que la plupart des auto-attaqueurs ont ça aussi au niveau 20. Il faut faire un choix entre vitesse d'attaque et portée. Lui, il peut faire les deux. Donc, c'est vrai que, pareil pour la vitesse de déplacement, il l'a au niveau 13. Enfin, il y a des choses un petit peu particulières. Il a un arbre de talent très particulier par rapport à ce qui se fait dans le milieu des auto-attaqueurs. Et je pense que Blizzard, au départ, d'ailleurs même en pro, au début, il était joué par les assassins mêlés. Maintenant, c'est beaucoup plus un carry auto-attaque distance. Donc, c'est un petit peu le... Peut-être, il est possible qu'il ait été pensé en plus en corps à corps et que finalement les joueurs l'aient justement montré que c'était beaucoup plus un distant. Ensuite vient Vala. Vala qui avait dominé l'année dernière, notamment donc en 2017, qui avait justement révolutionné la méta, notamment l'utilisation des Chinois de D-Star avec Xingxie qui était juste le meilleur auto-attaqueur qui Heroes of the Storm ait jamais connu. Et notamment la meilleure Vala qu'on ait jamais connue. Donc forcément, Istar jouait autour de ça et prenait une composition double support. Et ils ont commencé à révolutionner le truc et ils l'ont étendu aux autres sphères. Et ce qui est très intéressant, c'est que la méta double support, est quelque chose qui a exacerbé un rôle qui avait besoin d'aide. C'est-à-dire que les auto-attaqueurs, au tout début d'Heroes of the Storm dans la méta, il y avait du Raynor, il y avait de la Zagara. Et ensuite, basta. Et ensuite, on a commencé à avoir une méta beaucoup plus burst avec du Kaltash Jaina qui était pris à toutes les games avec Tyrant Diablo et boum, on burst. Et à ce moment-là, les auto-attaqueurs commençaient petit à petit à disparaître. Et on avait une place relative où les auto-attaqueurs étaient quasiment inexistants. Et ce qui a créé
cette, je dirais, cette euphorie autour des auto-attaqueurs, c'est justement ce que j'évoquais avant, c'est le fait de pouvoir passer un carry en hyper carry. Et un carry, donc avec son kit, son potentiel, comment on peut faire en sorte qu'il puisse auto-attaque tranquillement et puisse faire énormément de dégâts? C'est en lui mettant deux supports. Généralement, vous voyez Tassadar Rhaegar, par exemple, c'est l'illustre, on va dire, double support. Et ensuite, on lui a proposé du Auriel Tassadar, par exemple, pour Vala. Et c'est les deux aspects qui ont permis, justement, d'avoir du Raynor, d'avoir du Zul'jin, d'avoir de la Vala. Et Vala a dominé cette scène. Et c'était pas forcément parce que le perso lui-même était complètement pété. Bien sûr, il n'y avait pas forcément de concurrence déjà sur les auto-attaqueurs, mais c'est le double support qui a galvanisé ce genre de rôle. Dès qu'il y a eu le nerf double support, les auto-attaqueurs, on est retourné sur une phase de disette qu'on connaît actuellement avec des auto-attaqueurs plus bas. Alors attention, cette vidéo, je rappelle, se passe avant le mid-season brawl. Je pense honnêtement qu'à partir du mid-season brawl et après, les auto-attaqueurs vont revenir aux forces, notamment cette petite dame, cette petite Vala, je pense. Vala Greymane devrait revenir en force, je pense, mid-season brawl et après, pour les différentes choses que j'ai expliquées lors des différentes analyses de patch notes. Mais du coup, Vala est retombée complètement en désuétude, à tel point que Blizzard a dû la buff, ce qui fait que, justement, je pense que beaucoup l'ont oublié, mais elle va beaucoup revenir. Mais Vala, au final, c'est très très fragile. Hanzo, eh bien, a plus de portée qu'elle, va lui faire énormément de dégâts. Vala, elle a, justement, Vala, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant dans les auto-attaqueurs, parce que on pourrait dire qu'elle est très très forte, elle fait énormément de dégâts, ce qu'elle doit faire, mais elle compense ça par une grosse fragilité, et après, malgré tout, elle a un kit très mobile, et du coup, le kit de Vala est très intéressant, bien entendu. À côté de ça, nous allons passer sur les auto-attaqueurs un peu plus situationnels, des auto-attaqueurs avec un kit un petit peu différent, comme je l'évoquais justement dans ce que j'ai montré, c'est Tikus, et on va avoir Cassia ensuite, qui ont un kit un petit peu, même si c'est un kit différent, ils ont un petit peu le même visage. C'est-à-dire que Tikus, c'est un auto-attaqueur très particulier, sa manière d'auto-attaque est foncièrement différente des autres, qui doivent auto-attaque, clic droit, là, etc., etc. Tikus, lui, c'est très différent. Tikus, il a une auto-attaque arrêtée très rapide. Ce qui fait que c'est un petit peu différent, mais ça reste un auto-attaqueur, et il est donc dans cette catégorie. Et en l'occurrence, Tikus, pourquoi Tikus est très fort actuellement? Nous étions dans une méta dive, ce qui fait que des Genji, des Tracer, allaient, donc ce genre d'assassin hybride, un petit peu mêlé et distance en même temps, pouvait d'un coup arriver sur un mec, par exemple une Tracer, elle arrive, elle pose une bombe, elle fait péter avec un coup en mêlée, cadeau d'adieu, boum! N'importe quel squishy est fragile, n'importe quel squishy fragile, pardon, se fait tuer. Ce qui fait que de la Vala se faisait désintégrer, même avec du double support, elle se faisait désintégrer. Des personnages comme Raynor, Zul'jin, etc. n'avaient pas forcément les armes non plus pour rivaliser. Ce qui fait, eh bien, qu'on a fait appel à des auto-attaqueurs beaucoup plus qui étaient aptes à survivre à ce genre d'agression. Et par exemple, Tikus, pendant très longtemps, je vous en parlais en casse, Tikus, ça a été, j'étais assez content là-dessus, puisque au final, l'avenir enfin, maintenant c'est le passé, mais ce que j'avais dit s'est avéré juste, c'est-à-dire que Tikus, eh bien, c'était justement des auto-attaqueurs les plus tanky, aptes à survivre à du Burst de Tracer et qui pouvaient résister fondamentalement à du Genji. Donc Tikus, petit à petit, a commencé à revenir sur la scène coréenne et il a commencé à s'étendre sur toutes les compétitions, que ce soit sur la scène nord-américaine, chinoise et européenne. Même si en Europe on le voit un peu moins, je pense que sur les Worlds on le reverra aussi beaucoup, ce petit Tikus. Mais du coup, Tikus, eh bien, bien sûr, il n'a pas cette grande aptitude à DPS par la portée, mais à côté de ça, il a un burst de fou avec le minigun. Il est vraiment quand vous pensez auto-attaqueur anti-tank, vous pensez toujours Tikus avec son minigun qui fait des dégâts en pourcentage PV max. C'est vraiment la faculté anti-tank, et en plus il y a le plus ils sont gros qui même a été up il n'y a pas très longtemps, le plus ils sont gros qui permet de détruire les tanks très rapidement. Donc c'est vrai que Tikus a cette capacité. Alors bien entendu, Tikus, vous pouvez pas le sortir tout le temps. Tikus, c'est le genre de carry qui va pouvoir faire très mal au tank, mais face à des distances justement qui ont beaucoup de portée, Tikus peut souffrir. Donc c'est vraiment plutôt face à du dive, il peut pas forcément rentrer, il a une très courte portée, Tikus, donc il faut que le fight vienne à lui, pas que ce soit lui qui vienne. Après, il y a le Odin malgré tout, etc. Il a des choses pour compenser. Mais ce qui fait que Tikus est très très fort, même si ça reste dans la catégorie un petit peu situationnelle, mais un peu comme un Uther, il sort de sa catégorie parce qu'il est tellement impactant que on pourra le voir dans beaucoup de situations. Et c'est ça la grande force de Tikus à l'heure actuelle, c'est juste l'auto-attaqueur le plus tanky du jeu. Nous avons ensuite
Cassia. Cassia qui va répondre un petit peu dans la même manière que Tikus, c'est-à-dire qu'elle est assez tanky. Elle n'est pas aussi tanky que Tikus. D'ailleurs, même un Greymane est plus tanky au final que Cassia. Mais Cassia a cette capacité de tanker, cette capacité de pouvoir faire très très mal. En siège, elle est loin d'être ridicule. Et en plus de ça, elle paralyse un petit peu, elle court-circuite ses coéquipiers. On va dire qu'elle est mal vue par le reste de la classe, hein, des auto-attaqueurs, puisque forcément, c'est une dueliste et elle est apte avec son blind, avec son aveuglement, à affronter directement les autres auto-attaqueurs. Ce qui fait, et en plus de ça, elle a cette armure physique quand elle se déplace, 65 d'armure anti-auto-attaque, donc forcément, c'est la chasseuse d'auto-attaque pure, cette petite Cassia. Et à côté de ça, elle est très prisée par exemple, plutôt en Asie, plus en Chine, même si Leftovers l'adorait par exemple en Europe. Et en Corée, on la voit un petit peu aussi, Cassia par exemple, pour court-circuiter du Greymane qui était omniprésent pendant très longtemps. Bien, Cassia était une des réponses à Greymane, elle fait très mal au roi de Gilneas. Donc Cassia, c'est un peu le même délire que Tikus, elle n'a pas forcément une énorme portée, mais elle compense ça par beaucoup plus de tankiness. Elle a un blind aussi qui est de la tankiness effective, hein, c'est-à-dire que quand elle aveugle les adversaires, bah, ils peuvent pas la taper, donc c'est de la tankiness supplémentaire. Donc elle a cette capacité-là. C'est aussi pour ça qu'on la voit dans Anti-Dive, Cassia avait cette réponse. À côté de ça, nous allons attaquer les personnages, donc c'est là où on voit maintenant, on commence à aller sur des persos qu'on voit plus beaucoup, et on va attaquer Falstad. Falstad, qui est le plus spécialiste des auto-attaqueurs classiques, puisque Falstad, s'il était principalement draft en professionnel, Falstad, c'est pas forcément pour sa capacité à rentrer des auto-attaques comme on voit sur de la Vala, etc. Falstad, c'est beaucoup plus pour le côté stratégique, bien entendu. Falstad, avec sa monture, le fait qu'il chevauche un griffon et puisse sauter d'un endroit à un autre sur la carte, amène énormément de possibilités. C'est notamment Fnatic qui a beaucoup utilisé par l'intermédiaire de Quacknix les facultés de Falstad. Falstad qui a, mine de rien, bah, des bons dégâts d'auto, etc. Mais par exemple, on le joue hybride pour pouvoir justement avoir cette aptitude à farmer tout en ayant un gros late game avec le Marksman. Hein. Il a le Marksman comme un Rainer, donc le tireur d'élite vétéran. Mais à côté de ça, il a cette capacité de pouvoir, bien entendu, dépush très rapidement. Et bien entendu, il y a les ultimes, hein, la bourrasque, ne l'oublions pas, très stratégique. Donc c'est vraiment le carry auto-attaque, stratégie plus accès macro et également anti-agression avec la bourrasque. Donc ça amène beaucoup de stratégie sur ce personnage, mais honnêtement, Falstad, ce qui le sauve, c'est vraiment le côté stratégie. On va jouer plus macro que micro. Sachant que les auto-attaqueurs, normalement, par essence, ce sont plus des assassins micro. Typiquement, je parlais de Cassia. Cassia, c'est vraiment de la micro. On veut un teamfight pur, on veut agresser et mettre des blinds et gagner le teamfight par la supériorité martiale. Falstad, c'est totalement l'inverse. Falstad, on va plutôt gagner sur des agressions, sur de la guérilla. On va push à un endroit, ce qui va forcer quelqu'un à arriver là. Et on va ensuite passer à l'agression. Et dans la même image, on attaquera ensuite Zagara après, qui est un petit peu dans le même délire qu'un Falstad. Ensuite, nous avons Lunara. Lunara que je positionne peut-être un petit peu loin, mais c'est parce que j'avais commencé déjà la préparation de la vidéo avant son rework. Et son rework a renforcé Lunara. Il va être, bien entendu, ça va être important qu'on en parle, parce que justement le rework de Lunara va un petit peu dans mon sens sur ce qu'il faut faire pour améliorer le côté enrichissant et le côté attrayant des auto-attaqueurs. Lunara, c'était un personnage qui n'avait pas d'early game, qui avait un arbre de talent complètement mal foutu et qui commençait vraiment à être fort en mid game, mais en late game qui n'était pas non plus formidable. Et Lunara, du coup, on la voyait beaucoup plus dans une méta où Uther était omniprésent. Lunara, par cette capacité d'agression constante sur toute une équipe ennemie, bah, les supports qui étaient plus mono-cibles souffraient énormément contre Lunara. Donc c'est pour ça qu'on voyait de la Lunara. Mais Lunara, ça reste un auto-attaqueur qui faisait très mal. Et à l'heure actuelle, Lunara a subi une refonte qui a justement un petit peu amélioré sa transition early mid late game. Comme j'en parlais, les assassins auto-attaque en late game, le problème c'est que les assassins auto-attaque comme un Rainer par exemple sont beaucoup plus efficaces qu'en late game. Et ce qui fait qu'un auto-attaqueur dans Heroes of the Storm qui n'a pas d'impact en early mid game, bah, il est quasiment acheté à la poubelle, parce qu'il faut soit qu'il ait un late game complètement OP comme ce serait le cas par exemple pour les mages avec un Azibo, pour pouvoir le justifier. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Le late game sur Heroes, il y a très peu de cartes qui l'autorisent. Et le late game sur Heroes, au niveau professionnel, bah, il suffit de... Enfin, les joueurs savent très très bien snowball. Et du coup, bah, le personnage perd énormément en intérêt. Donc il faut justement que les auto-attaqueurs
et quand même cet impact en early mid game. Et je trouve que Lunara, ce qu'ils ont fait est plutôt bon avec un talent 4 maintenant qui est fort. Je vous laisserai bien sûr aller voir le guide Lunara et les analyses de patch notes pour justement avoir plus d'infos sur Lunara de manière précise. Mais Lunara, ça va dans le bon sens, on verra comment il sera utilisé, mais c'est sûr que Lunara, on lui a augmenté sa compétitivité, et ça c'est très important. Sachant que sa mobilité, elle l'a par exemple par sa monture de base, mais elle reste très fragile. Donc, et pourtant elle n'a pas non plus cette capacité à faire énormément de dégâts, elle n'a pas des dégâts d'auto-attaque complètement abusés, donc c'est vrai qu'il manque toujours un petit quelque chose aux auto-attaqueurs. Il faut pas avoir peur en se disant les auto-attaqueurs, ouais mais si on les up ça devient pété. Ça c'est un autre problème, c'est à dire que les auto-attaqueurs, le gros souci des auto-attaqueurs c'est que en solo queue par rapport au niveau professionnel, en pro en fait un auto-attaqueur va très vite se faire punir. Très souvent on me dit mais pourquoi Malga, souvent sur mes lives quelqu'un vient et dit mais pourquoi Vala auto-attaque, on la voit jamais en pro, pourquoi c'est si dur que ça, blablabla etc. Moi en solo queue quand je joue Vala auto-attaque ça passe très bien etc. Il y a une grosse, ça c'est un énorme problème pour Blizzard, c'est à dire que à équilibrer les auto-attaqueurs, c'est très compliqué. En early game, en solo queue, les gens punissent très mal les joueurs, ce qui fait que, eh bien, une Vala auto-attaque, elle va pouvoir faire clic droit sans bouger et elle va pas être punie tout de suite. Alors que en professionnel, une Vala qui s'approche, c'est une Vala morte. Donc c'est pour ça que pendant un moment, on voyait du double support pour faire en sorte qu'elle puisse s'approcher, etc., etc. Donc c'est en pro en fait, au niveau pro, les auto-attaqueurs sont très peu compétitifs, sauf quelques-uns, parce que bah, justement, ils n'ont pas cette capacité de pouvoir survivre aux agressions, pouvoir se déplacer dans tous les sens. Et en solo queue, en fait, si tu les rends pas ultra fragiles, bah les gens ne punissent pas, donc ils cliquent droit, ils cliquent droit, ils cliquent droit, et ce qui font que les auto-attaqueurs en solo queue ont des bons winrates. Raynor, Zul'jin, c'est pas les pires winrates, et pourtant c'est deux des persos qui ont mis des mois et des mois et des mois avant de sortir en pro. Et encore, voilà, Zul'jin, moi c'est le perso qui a été le seul pour moi. Raynor et Zul'jin, c'est les deux qui n'ont pas été convaincants sur la scène professionnelle, en tout cas sur l'année 2018. Donc, c'est dur bien entendu d'équilibrer hein, pour Blizzard. Je pense qu'une des clés pour équilibrer, ce serait justement d'augmenter encore la fragilité des auto-attaqueurs, par exemple du Raynor, du Zul'jin, peut-être les rendre encore plus... Enfin, pas Raynor, Zul'jin, mais up tout le côté pouvoir, aptitude à DPS continuellement, leur donner... Enfin, Raynor n'a pas de mobilité, et il faut prendre un niveau 7, mais au niveau 7, t'as l'anti-burst. Donc ça, c'est des kits qu'on devrait mettre de base, mais du coup, peut-être réduire les PV et augmenter les dégâts d'auto-attaque. Raynor en auto-attaque en late game, s'il n'a pas stacké le marksman, allez tester en boutique, mettez-vous Raynor niveau 20 sans prendre le marksman, mettez des auto-attaques, les montants d'auto-attaque est ridicule. Donc c'est par rapport à d'autres tanks, etc. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. À côté de ça, nous avons un autre auto-attaqueur, un petit peu comme Falstad, c'est Zagara. Zagara qu'on voit très peu en professionnel, et généralement quand elle est récupérée, c'est comme pour Falstad, cette capacité de global à pouvoir jaillir d'un point à un autre, mettre un point de pression sur la, par exemple la top lane, et pour finalement forcer quelqu'un à aller sur cette top lane, et pendant ce temps, on prend un fight 5v4 sur la bot lane. C'est cette capacité stratégique qui fait que Zagara est intéressante. Et Zagara, il y a très longtemps, il y a 2-3 ans, Zagara, c'était le main auto-attaqueur aux côtés de Raynor et de Falstad, par exemple. Alors oui, il n'y avait pas autant d'auto-attaqueurs, mais Zagara, elle fut un temps, c'était l'auto-attaqueur principal. Et honnêtement, elle est assez tanky pour un auto-attaqueur. Mais bon, après, il faut aussi des personnages avec un kit un peu différent, ce qui se comprend sur Zagara. Mais c'est vrai que cette aptitude à teamfight... Et elle a un kit très vieillissant, Zagara. Donc c'est vrai que je pense que, de toute façon, les personnages nécessitent des reworks. La plupart des auto-attaqueurs nécessitent des reworks. Ensuite, nous avons un auto-attaqueur un petit peu différent, c'est Sylvanas. Alors Sylvanas, c'est sûr que c'est pas non plus l'auto-attaqueur le plus certain, étant donné que son kit, principalement, ressemble quand même à un auto-attaqueur. Mais elle a cette aptitude un petit peu d'un caster où elle va quand même beaucoup utiliser ses sorts, lancer. Après, elle n'a pas de burst, c'est des dégâts beaucoup plus linéaires, ce qu'on appelle du sustain damage, des dégâts sur la durée. Et au final, Sylvanas, je parle pas de dot, hein, je parle juste de courbe de dégâts sur la durée. Et au final, Sylvanas, en plus avec les changements qui ont été faits il y a peu, vont beaucoup plus dans mon sens du fait que Sylvanas est une auto-attaqueuse, puisque eh bien, sur le patch, ils ont nerf cette capacité de détruire les, enfin de désactiver les structures par ses compétences, mais ils ont augmenté ses dégâts d'auto-attaque. Ce qui fait que Sylvanas maintenant met des bonnes petites tartines quand même en auto-attaque. Le problème de Sylvanas, et Sylvanas, après c'est pas grave, hein, que tous les DPS, enfin que tous les auto-attaqueurs ne soient pas tier 1, c'est tout à fait ok.
qu'il y ait des auto-attaquants un peu plus situationnels et que Sylvanas, on la récupère beaucoup plus pour sa capacité à snowball, aller très très vite, etc. Le problème, c'est que même maintenant, on va pas préférer Sylvanas, et je pense que même maintenant, Lunara va beaucoup plus concurrencer Sylvanas avec l'avantage... avec la sélection naturelle au 4, puisque bah, Sylvanas lui manque quand même beaucoup d'armes de PVP en fait. Enfin, elle est pas, attention, hein, Sylvanas fait des bons dégâts en PVP. Mais parce que j'en connais beaucoup qui envoient Sylvanas au line en mode oui, elle fait pas de dégâts en PVP, blablabla, et AFK. Non, ça c'est des conneries. Je vous laisse aller voir le guide Sylvanas. Mais Sylvanas, il lui manque des choses. Par exemple, le niveau 13, vous savez, qui permet de faire des E x2. C'est quelque chose qui peut-être devrait être intégré dans son kit de base parce qu'elle en a besoin de ce genre de choses. Elle n'est pas apte à pouvoir DPS continuellement comme il faut, malgré le fait qu'elle soit très fragile, etc. Donc c'est quelque chose d'important, encore une fois, de bien comprendre que ce genre de perso a besoin d'aide lui aussi pour être vraiment compétitif. On ne demande pas à un personnage d'être tout le temps présent number one, mais qu'il soit un peu plus présent. Il suffit de pas grand chose pour que Sylvanas elle puisse sortir un petit peu plus et avoir une place, on va dire, de tier 3 qui lui irait tout à fait. Alors que sur la scène professionnelle actuelle, Sylvanas c'est beaucoup plus du tier 4. Donc personnage de niche vraiment. Et en parlant de personnage de niche, nous avons bien entendu Sergent Hammer. Alors Sergent Hammer, c'est très particulier. Sergent Hammer, c'est l'auto-attaqueur bah, par excellence, hein, celui qui a une très grande portée d'auto-attaque. Je ne vais pas m'attarder sur Hammer, vous connaissez normalement un petit peu mon point de vue sur Hammer. C'est tout simplement le fait que bah, Blizzard a fait n'importe quoi avec son rework. Avant son rework, Hammer était le genre d'auto-attaqueur tier 3, tier 4, notamment en Corée où on pouvait beaucoup l'avoir et qui avait été sorti sur des finales de compétition où on faisait du hit and run, etc. Donc on se déplaçait beaucoup, auto-attaque, et elle avait cette aptitude à pouvoir siège justement, littéralement, hein, siège en face de siège pour défoncer les structures. Le rework c'est probablement le pire rework que Blizzard ait jamais fait et qui a complètement enterré dans la méta professionnelle Hammer, en même temps un personnage qui ne bouge pas au niveau professionnel, c'est juste un personnage qui est mort, sauf s'il a 3 supports avec lui ou quoi, et à ce moment là est-ce que c'est vraiment intéressant, l'équipe adverse joue macro et gagne là dessus, donc c'est quand même très très compliqué. On va attaquer les deux auto-attaqueurs purs. Et deux auto-attaqueurs purs qui ont été complètement délaissés pendant très longtemps, c'est Raynor et Zul'jin. Raynor, ah, je l'évoquais, hein, Raynor, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il soit compétitif? Raynor, faites en sorte que, par exemple, ces deux niveaux 7, le fait que son E puisse être activable. Enfin, n'oublions pas quand même que Raynor, son passif, c'est d'avoir plus de portée d'auto-attaque. Et au final, Phoenix et Hanzo, qui sont dans la même catégorie que lui, ont plus de portée d'auto-attaque. Et même Zagara a plus de portée d'auto-attaque que Raynor. Genre, c'est quand même un petit peu compliqué pour le mec qui a un passif qui est censé dire il tape plus loin. Évidemment, un rework Raynor est prévu, ça se trouve vous regarderez cette vidéo quand le rework Raynor aura déjà lieu, dans quelques mois peut-être. Mais du coup, le problème en fait cette vidéo, même si bien sûr c'est actuellement dans la méta, par rapport, c'est un débat sur la méta, il faut quand même bien entendu qu'on parle du fait que sur le long terme, il est très important de faire en sorte que les auto-attaqueurs aient tous un minimum de mobilité, et s'ils n'ont pas de mobilité, de compenser ça par une énorme portée et des contrôles. Il faut vraiment... que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les auto-attaqueurs, c'est les Somaliens des Cariadés, quoi. Ils ont rien du tout pour eux, en fait. En dehors de Vala, de Greymane, etc., qui ont un kit normal, les autres, ils ont soit pas de mobilité, enfin, ils ont absolument pas de mobilité, alors qu'il faut au moins un sort de mobilité dans le kit. Ou alors, c'est des talents qui sont très late game, qui arrivent en 13, 16, 20, qui sont beaucoup trop late game pour des auto-attaqueurs. Il leur manque ce burst. Raynor, par exemple, vous lui enlevez l'attaque concentrée au 4. Personnage, il est fini. En early, il a besoin de l'attaque concentrée pour pouvoir faire des dégâts. Ce qui fait qu'en plus, ça t'isole. Enfin, Raynor, à l'heure actuelle, est très très monobile. Je parle avant rework, hein. Du coup, c'est vrai que c'est des choses qui sont très embêtantes. Et la musique, en plus, est parfaite. J'ai tendance à être très triste pour la faiblesse en fait de profondeur des auto-attaques sur Heroes of the Storm. Quand tu vois ce qui peut être fait par exemple sur League of Legends et même au niveau professionnel, c'est tellement classe de voir un personnage qui peut, voilà, dash à un endroit, mettre des autos. Par exemple, on pourrait totalement, sur League of Legends, il existe un auto-attaqueur qui a le même passif que Liming, à savoir, eh bien, quand elle prend un kill, elle s'appelle Tristana, quand elle prend un kill, elle a de nouveau son sort de mobilité de présent. C'est un truc que Phoenix a sur son niveau 7, mais il est intégré de base sur certains personnages, et ça fait que justement des auto-attaqueurs vont pouvoir aller chercher le kill, repartir, et ça amène de l'explosivité et du spectacle en e-sport, et c'est quelque chose de très important. Je veux dire, qu'on soit clair, voir Hammer à l'heure actuelle en professionnel, c'est plus une game où vous allez vous faire chier et vous endormir qu'une game qui va être intéressante. Alors ok, c'est fun, c'est folklore, oh là là, Hammer on la voit jamais, oh, c'est une game, mais si on voyait que des games Hammer, je pense que vous seriez les premiers à gueuler. Et ensuite nous avons bien entendu Zul'jin.
J'en avais parlé un petit peu dans les différents guides, mais Zul'jin, c'est un troll. Les trolls sont très très mobiles, normalement, sont très agiles. Rappelez-vous des lanceurs de haches de Warcraft 2 et Warcraft 3. Les mecs font des cabrioles, ils font des saltos dans tous les sens. Et au final, on a Zul'jin, cette espèce de tourelle qui ne bouge pas. C'est un problème. Et par exemple, Zul'jin, je pense que le niveau 13, l'œil de Zul'jin devrait peut-être être intégré de base en version nerf. Et par exemple, le mettre en rapport avec le passif, moins il a de PV, plus il se déplace vite. Quelque chose comme ça. Parce que les auto-attaqueurs ont besoin d'être mobiles. À l'heure actuelle, Zul'jin, vous lui donnez de la mobilité. Raynor, vous lui donnez de la mobilité. Et boum, ça y est, les personnages sont compétitifs. Il faut leur donner justement cette capacité à DPS continuellement. Mais je dis pas, hein, on peut réduire un petit peu leurs dégâts, on peut les rendre plus fragiles. Ça s'équilibre. Mais il faut donner de la mobilité aux auto-attaqueurs. C'est très important. Et si on leur donne pas de la mobilité, portée, contrôle. Mais il faut leur donner des choses pour pouvoir justement. Et quand je parle de contrôle, est-ce que vous allez me dire oui, mais Zul'jin il a un contrôle, il ralentit avec son Z. Mais est-ce que, je ne sais pas, allez vraiment voir ce qui se fait un petit peu sur League of Legends, sur Smite, et regardez le kit d'un auto-attaqueur. Par exemple, je pense à Jhin sur League of Legends, qui va avoir la plus grande portée d'auto-attaque du jeu, et il a des slows à hauteur de 60%, c'est-à-dire qu'il vous crucifie sur place. Sur le papier, on pourrait dire c'est complètement pété. Mais le problème, c'est qu'on s'est tellement habitué sur Heroes of the Storm à avoir des personnages à se battre avec des couteaux suisses qu'on a oublié qu'à des auto-attaqueurs, bah, ils doivent être percutants en fait. Et ils peuvent être percutants sans être OP. Tous les auto-attaqueurs de League of Legends, ils sont ultra fragiles. Il suffit d'un lock un petit peu sur place et le machin, il se fait défoncer. Et c'est ce qu'on. Bien entendu, je veux pas que Heroes se calque sur League of Legends, mais juste qu'on fasse en sorte que les auto-attaqueurs puissent avoir leur mot à dire au niveau compétitif. Et même en solo queue, s'ils seraient un peu équilibrés, bien entendu, ils pourraient tout à fait être à la fois viables en compétitif, sans pour autant être OP en solo queue. Donc ça, c'est quelque chose de très important et que je réclame plus que tout pour Heroes of the Storm. Et Zul'jin, par exemple, bah, vous lui mettez un petit peu de mobilité, le personnage il devient super fun à jouer. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est vrai que t'as tendance. Enfin, il y a le côté un peu piqué qui fait que t'as pas spécialement envie de jouer Zul'jin. En attendant, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, c'est aussi un débat. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement des auto-attaqueurs à l'heure actuelle? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être ne pas se mettre à ma place et comprendre un petit peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être être réticents en disant ouais, mais non, les auto-attaqueurs c'est très bien comme c'est à l'heure actuelle. Rappelez-vous que dans les derniers persos à ne pas être sortis, c'était Zul'jin Raynor qui n'avait pas été sorti. Une fois. Des fois, je suis le premier à dire que les pros, des fois, se complaisent dans ce qu'ils connaissent déjà, mais il y en a aussi qui testent, et ceux qui testent savent très bien que Raynor Zul'jin va avoir beaucoup plus de mal à être sorti. Donc, c'est quelque chose que je laisse là. Alors, vous allez probablement vous poser la question aussi, où est Nova? Nova, c'est un peu particulier, c'est un peu à mi-chemin, et pareil pour Tracer, donc c'est vrai que je les ai exclus de ce genre de choses, parce que c'est, on va dire, des hybrides de différents domaines, donc je les ai un peu sortis, exclus de ce classement-là. J'ai préféré mettre tous les auto-attaqueurs classiques. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'amener, alors je sais que cette vidéo, au final, il y a beaucoup d'informations. J'ai essayé de faire en sorte d'ouvrir le débat, d'ouvrir justement les raisons qui moi me... En plus je suis un auto-attaqueur, j'adore ce poste, j'adore les auto-attaqueurs. En ce moment je vous inonde de vidéos d'auto-attaqueurs entre Vala, Greymane, etc. J'adore les auto-attaqueurs, donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et attention, c'est très objectif, je suis pas en mode je veux que les auto-attaqueurs soient pétés parce que c'est mon rôle. Je veux dire, j'ai beaucoup joué tank, j'ai beaucoup joué sup il fut un temps, je connais bien les différents rôles. C'est juste que auto-attaqueur en pro, bah moi ça me fait mal au cœur de voir toujours les trois mêmes, parce que bah malheureusement, c'est pas que les trois mêmes ils sont trop forts, c'est que les autres, bah, ils sont pas un kit compétitif en fait. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker, n'hésitez pas à partager le jeu autour de vous, n'hésitez pas à commenter. C'est ce genre de nouveau format de vidéo avec eh bien, un point sur la méta, on va dire, un petit peu, où on peut justement parler un petit peu de ça, sachant que je ferai probablement une autre... J'en ferai probablement d'autres, et si vous avez des idées de thèmes aussi, eh bien les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà le cas. Moi je fais plein de bisous, follow sur Twitter et sur Facebook, bah, c'est très sympa. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et à plus dans le Nexus. Tu veux trouver le Facebook et le Twitter de Mal'Janir? C'est dans la description. Eh oui. Et n'oublie pas de t'abonner. Allez, abonne-toi! À bientôt! Salut!